Bonjour à tous YouTube. Bah écoutez, on se retrouve pour un nouveau randomiseur. Hein, vous verrez, j'ai fait une vidéo, je sais pas si je la publierai en fait, où au départ j'ai eu énormément de chance et ça s'est stoppé net. Mais vraiment net, c'était chaotique quoi, je ne pouvais aller nulle part. Donc écoutez, j'espère qu'on va avoir de la chance. On va se donner un pseudo qui va nous donner beaucoup, beaucoup de chance. On va s'appeler à mon très heureux Enzo. Parce que Enzo, il a toujours de la chance. Allez, Enzo, c'est parti, mon Enzo. Langage, on s'en fiche en vrai. C'est parti. Donc option. Bof, ils sont déjà accélérés. Bon, bah, j'espère qu'on va avoir de la chance parce que j'aimerais bien en finir une un jour, quoi. C'est vrai qu'il parle vite. Alors oui, j'ai mon ami, le facteur qui me suit. Ça me perturbe un peu. C'est la première fois que je le vois. Oh là, voyez-vous ce qu'il y a devant moi, mais non. La cape. Yes. Alors, je peux sauter déjà. Bon, ça veut rien dire pour l'instant, parce que même en sautant, il me faut l'épée. Alors, Enzo. Eh oui, Enzo. Enzo, il peut sauter, Enzo. Et imaginez, c'est avec Enzo que je finis une run. Je sais pas comment je le prendrais. On va là d'abord, hein. On sait qu'il y a des coffres. Vous commencez à connaître le chemin, hein. Allez, de la chance. Les bombes, hein. Un grand carquois. Bon, bah, il nous faudra peut-être un orc. Le marais de Taventa. Il m'en faut trois des trucs comme ça pour débloquer. Donc, bon, donc on verra. Son sprite, il passe à travers les murs à lui. Allez, le facteur, on y va. Si vous voulez trouver un nom pour le facteur, mettez-le dans le commentaire et je l'appellerai comme ça dans le. Si cette random n'est pas morte, on l'appellera comme ça pour la suite. Bah donc c'est parti, hein, on y va. Je peux déjà sauter très haut dans le ciel. Mais du coup, attendez, je peux même faire des skips. Mais oui. Mais oui. Et hop. Allez hop. Bah écoutez, l'argent. Voilà. L'argent, au début du jeu, ça va, je vais pas me plaindre. Ah oui, par contre, je peux pas retourner par là. Je suis obligé de faire mon tricks sans me noyer. Tu pourrais pas m'aider, toi aussi, le facteur, là? Pareil que tu cours vite, en plus. Alors, elle. Tu es vraiment déjà un tif, toi. Tu peux t'inventer. Pour la peine, je te décerne le Grand Prix de l'attention. Bravo! Au-dessus des nuages. Bon, ça me sert à rien parce que je vais skipper si j'ai l'Ocarina. Ensuite, on va aller voir au shop. Oh, combien l'épée? 80 épées de Smith. Bah écoute. Oui? Bon, bah on a l'épée, on a la cape. Vraiment. On est bien. Ça, c'est quoi comme technique? On sait pas. 300. Dans tous les cas, faudra l'acheter ça. Parce que suffit que ça soit l'attaque tornade et on est bloqué dans le jeu quoi si on ne l'a pas. Bon. Du coup maintenant qu'on a ça. Alors c'est ce que je vous ai disais la dernière fois, c'est que dans la cloche, si on saute dessus, il y a un livre qui tombe. Bah normalement non, c'est un quart de cas. Mais bon, bah un livre. Alors le livre en vrai il sert dans la bibliothèque pour les maîtres et une fois qu'on est miniche on peut grimper dessus pour aller voir je sais plus comment il s'appelle Melta je crois ou quelque chose comme ça.
Du coup, ici, qu'est-ce qu'il va nous donner? Mais c'était quoi cette musique? Mais elle y est pas dans Minish Cap en vrai. Ta 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 ta. Ah, c'est génial, ils ont mis cette musique. Elle y est pas dans Minish Cap. Hein. Bon. Ensuite, bah, du coup, on a l'épée. Donc le garde, lui, on a de la chance, il était... Le coffre, allez, Dieu. Attaque tornade. Non, elle a là, cette run, normalement. Je pense que il est faisable de la finir. Clairement. Alors par contre, là, je peux... Si, je peux faire mon trick. Est-ce que c'est pas... Non, je peux rien faire là-bas. Bah, c'est parti pour là, hein. Alors ici, il y a pas mal de trucs. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Ah, cette musique. Ah bah non, ça n'a pas duré longtemps. Alors, un papillon du bonheur. Décochez vos flèches plus vite qu'avant. Ah, ça donne des boosts. C'est génial, ça. Pour Vati, pour le boss final, en vrai. Enfin, d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas pu randomiser les boss. Je sais pas si c'est possible. J'ai pas bien regardé, mais je crois pas. Bon, de l'argent. Tant que c'est pas des 200 rubis, ça va, parce que ça m'embête de... d'avoir des 200 rubis alors que je peux pas en avoir plus de 100. Ici. Dites-moi qu'il y a quelque chose. Bon, bah, les flèches, j'ai déjà un carquois, donc... Allez, viens avec moi, le facteur. Ici. Bon, on peut pas avoir tout le temps de la chance, hein. Il faut pas trop... Ah, c'est pas grave, là on a déjà beaucoup plus de possibilités de coffres. On a l'épée, quoi, c'est... L'épée, quand même, ça permet de faire beaucoup de choses, hein, pas à dire. D'ailleurs, ouais, non, par contre, j'ai pas les chaussures. On va par là, hein. Le serpent, je le tuerai peut-être pas tout de suite. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des flèches. Bah non. Hein. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, le temps, là, il va commencer à être... Allez. On peut le tuer. Avec une épée de Smith, on peut le tuer. Allez. Bon, 200 rubis. Je me suis demandé s'il pouvait me donner un item ou non. Faut pas rêver. Du coup, on va aller... Bah, je crois que la fontaine, elle est dispo, là, non? Oui. Oh! Un arc! On a un arc 50 flèches avec une vitesse de tir. On va l'essayer tout de suite. Oh là 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 là. C'est trop bien. Là, cette ROM, on est obligé de la terminer. On va aller voir quand même là. Je suis pas sûr de moi. Allez, hop, hop. Faut pas qu'il me voit lui. Hop, hop. On attend ici. On va pas être trop pressé parce que sinon, ça va nous faire perdre du temps encore. En même temps, on va dire que je m'entraîne pour le speedrun. Allez, voilà, ça c'est passé. Ah, c'est des fées ici, hein. Bon, bah... Quick warp. Et on se tire. J'allais dire on se casse, mais je me suis dit un peu vulgaire, quand même. Bon, bah du coup, maintenant, on va pouvoir avoir deux parchemins. Par le maître. Donc, qui dit deux parchemins dit deux objets random. Bah, donc, let's go! Ah, alors, qu'est-ce que tu vas me donner? Oui, j'ai compris, je connais. Mais donne-moi quelque chose, s'il te plaît.
Allez. Oh là là, l'épée blanche. On a l'épée blanche. On a l'épée blanche, l'attaque tornade. Bah du coup, est-ce que ça serait pas... Bah non, parce qu'on n'a pas des éléments par contre. Je sais pas comment ça marche quand c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir la duplication ou pas? Oui, on... Ah mais j'ai trois techniques! Allez, dernier. Mais non, j'en ai quatre avec lui puisque j'ai les bottes. Allez, dis-moi que j'ai un truc. Cette attaque en vrai, elle est super pratique. Hein. Allez, donne-moi. Non. Bah, j'ai des bottes. Ah mais non, c'est... Non, j'ai pas les bottes. Ah non. Ah, je suis déçu. Bon. Bah écoutez, du coup, on va aller faire les rêves. On a un coffre dans les rêves. Donc, hop. Je sais plus combien c'est. Non, c'est gratuit. Non, c'est 10 rubis. Bah, on va vite les récupérer. Alors là, ils vont se faire assommer, les ennemis. Avec 3 cœurs, franchement. Bon, eux, c'est pas grave. Hein. Alors, vous, c'est un... Ah non, avec cette épée, c'est quand même de coup. Ah bah oui, c'est des rouges et pas des bleus. Oh là là, ils se font vaporiser, les ennemis. J'ai jamais vu ça. Hop, hop. Hop, hop, hop. On récupère ça. Hop, hop, hop. Et il en reste un. Il est où? Il est là. Oh. Allez, viens. Et voilà. Est-ce que j'ai fait ça pour rien? De toute façon, hein, pour un coffre, hein, c'est un random. Un réceptacle de cœur, bon, en vrai, ça peut m'être utile si je veux me faire des petits dommages. Oh, regardez les facteurs. Mais il n'était pas avec moi dans le monde des rêves. Bon, allez. Ici, bon, donc je fais toujours pas. Hein. Bah, on a déjà bien avancé ici, donc du coup on peut aller à la forêt tyrolienne. On a l'épée. Qu'il faudrait plus qu'on ait des petits éléments, trucs comme ça. Là on va tomber sur... En plus il y a un coffre là, ça c'est génial. Tiens, cadeau toi. Ah, raté. Ça nous servira pour la téléportation. L'attaque brise rock. Bon, je peux casser des objets avec mon épée. On refuse pas. Oh là 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 là. Mais cette trombone. Ça, Enzo. Enzo m'a porté chance, quoi. Ça se trouve, on va finir dans 10 minutes. Non, ça j'ai déjà assez d'argent. Donc, Ah mais je me suis fait avoir, je peux pas passer par là. Ici, il n'y a pas de coffre, je crois. Bah non, puisque je suis bloqué par des caillasses. Et j'ai pas de bombe. Bon, bah c'est pas grave. Alors, par contre, oui, ce qui sera utile, c'est d'avoir l'arc, là. Pour tuer un peu ce qu'on veut. Parce que du coup, je crois qu'on peut les tuer, les ennemis, là, qui volent. Ah, mais oui, il y a l'haricot magique. Enfin, ici, si on a de la chance, imaginez, on tombe sur un truc de fou. Bon, petit rubis, bon, je remonterai plus ici, je prends. Ce coffre-là. Ah. 50 rubis, bon. Et là, rubis. Non, quart de cœur. Bon, écoutez, on va dire que pour l'instant, ça se passe très, très, très bien. Oui, normalement, eux, on peut les tuer comme ça. Oui, exactement. Bon, je vais devoir faire le tour. C'est pas très grave. Donc, j'ai la cape, j'ai ça. Donc, on va pouvoir... Il me faudrait les bombes. Ça serait tellement bien d'avoir les bombes. Mais bon, on verra bien. Ah non, il faut les bombes. Ah, c'est là-haut.
Je suis obligé de me taper le chemin normal. C'est-à-dire ici. Allez. J'ai le bâton. Ben non, j'ai pas le bâton. Ah oui, à force, je commence à confondre un peu avec toutes les randoms que je fais. Je sais plus ce que j'ai à force comme objet. Donc, c'est pas grave. Hein. Alors ici, faut pas oublier qu'il y a un truc dans la maison. On y va. Bon, ça se trouve, je fais ça pour rien. Hein. Et si vous avez remarqué, le père de Malon, c'est un petit rappel à Mario. Et même dans Ocarina of Time, il a un pâtissement avec Bowser dessus. Bowser. C'est pas Bowser Fury. Hein. Bowser Super Saiyan. Alors, ici. Est-ce qu'on va avoir de la chance en vrai? Alors, par contre, j'ai la cape. J'ai la cape, donc hop. On va aller dépenser nos rubis. On a trouvé 3 quarts de cœur en même pas 5 minutes. Arrête! On va pouvoir aller donner la pâtée pour chien. Alors, quelle technique c'est? T'en as d'éclair. Écoute, moi je te le dis oui. Et parchemin, c'est pas inutile. Par contre, c'est quoi l'attaque éclair? Ah oui, je crois que c'est que quand on a full hurt. Attendez, on va essayer. Non, c'est pas ça. Je crois que oui, c'est l'attaque s'il faut les. Il faut les bottes. par contre, si, heureusement que j'ai la cape. Hein. On va aller voir ici. Bon. Et c'est vrai que j'ai eu les palmes. Bah oui, je peux nager, je suis bête. Bon, si je peux nager. Hein. On peut déjà rentrer dans le temple de l'eau. Ce qui en vrai. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas? Déjà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, le rubis, hein. Fallait pas s'étonner. Hein. Ensuite, tiens, je te la donne, ta pâtée, là. Comment on fait pour donner la pâtée? Ah, mais c'était pas dans celui-là. Oh. Je vous ai dit, je me mélangeais les pinceaux. Donc, là-haut, le prends pas. Ouf. Ah oui, je commence à plus me faire avoir ici. Hein. Allez, essayez de me toucher. Oh, regardez, regardez. Bon, cette run, je peux la finir. Je peux la finir. On va quand même aller voir ce qu'il y a dans la maison, là. Bon, ici, il y a un cœur, donc on ira après. Donc, du coup... Non, mais en vrai, c'est pas possible. Quoi. La chance que j'ai. Je me suis appelé Enzo. Et regardez quoi. On a déjà presque fini le jeu, ça se trouve. Non mais tous les coffres qu'on a ici, mais c'est pas possible en fait. Ça va être trop fun. Un coffre. Le bâton sauteur. Non mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Je suis déjà très content là. Alors, du coup, on a les palmes. On a beaucoup de choses, hein. C'est trop bien. Donc on va aller, hein. On va aller faire des trous. Hein. C'est tout ce qui reste à faire. Hein. Allez. Donc, je sais qu'il y a un truc là-bas où on peut creuser. Enfin, c'est la première fois que j'arrive à avoir les griffes dans un random pour l'instant. Ah, il faut que je saute. Allez, oh, c'est trop dommage. À une frame, c'est... Allez. Allez,
Mais non, bon, on va aller là. Allez, oh. C'est vrai qu'il faut quand même être... Il y a une précision avec ça. Voilà, c'est bon. On y est. On va pouvoir aller vérifier ce qu'il y a là-dedans. Donc ici, il n'y a rien. Ici, pas de coffre. Pas de coffre. Pas de coffre. Ah. Un coffre. Un rubis. Bon. Là, les rubis, avec toute la chance qu'on a eue, à mon avis, on va tomber très souvent sur des rubis. Bon, là-bas, il y a quoi? Mais il y a des chemins de partout. On va d'abord aller en bas, là. Il doit y avoir des coffres. Là. Qu'est-ce que je disais? Là. Non. Là. Là. Malheureusement, je pense ici, ça va être beaucoup de coffres comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut en avoir beaucoup. Ouais, je vais te vaporiser, toi. Hop. Oui, je crois que c'est 2-3 coups. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même épée, là. Ici, bah, c'est rien. Normalement, c'est... En fait, ces fragments dans Minish Cap, ils servent à avoir l'épée de... Non, l'épée... Le bouclier de miroir. Non, je dis des bêtises. Non, ça sert à débloquer les gourons pour avoir le dernier pot. Parce que je sais pas pourquoi, mais le dernier pot, c'est un enfer pour l'avoir. Alors, on va creuser vite. Hein. Alors, on pourrait accélérer. Je suis pas comme ça. Autant faire le jeu. Un coffre? La noix, blabla! Ça, ça va être utile. Enfin, utile. Bon, des rubis. Hein. Ici, pas de coffre. Allez, on creuse. Un coffre là-bas. Et après, bah, il faudra choisir une échelle. Hein. L'arc de lumière. Non, mais vous voyez, les gens. Là, c'est full luck. Oh là 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 là. Cette ROM. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Bah écoutez, on va monter par quelle échelle déjà? Oui, donc c'est celle-là, oui. Ce qui m'embête après, c'est qu'il faut recreuser à chaque fois. Ah bah, c'est ce que je disais. Je sais pas ce qu'il y a ici. Pourquoi avoir fait ça? Ah oui, bah ça veut dire qu'il doit y avoir un truc pour les gorons. Hein. Bah non. Pourquoi ils ont fait ça? Oh, tant pis. Oh, petit haricot. Allez. Non mais j'ai l'arc de lumière. Vous vous rendez pas compte. Hein. Là, Vati, avec le papillon et tout, il est vaporisé. C'est... Non, c'est vraiment une très très bonne run. Du coup, par contre, il me faudrait quand même les éléments ou l'épée. Bah si, en vrai, là, si j'ai l'épée... Si j'ai l'épée, le bâton sauteur, je peux finir le jeu. Quand je parle de l'épée, hein... par contre, on va faire un quick save, hein, parce que... Je suis pas fou quand même, hein, je vais pas tout me retaper à chaque fois. Ensuite... Écoutez, on va pas aller au temple de l'eau tout de suite. On va déjà aller... je crois qu'il y a un trou là-bas. Ah bah là, autant creuser. Hein. Franchement, je vous le dis, il n'y a pas à chercher à midi 14h. Ah non, c'est pas un trou qu'il y a là. On va aller là-bas. J'ai bien la cape, donc... Y a pas... Ah mais si, j'ai le bâton sauteur. Je dis des bêtises. Ah, j'ai tellement de choses que je suis pas habitué. Allez, là-bas, il y a un coffre. C'est une très bonne nouvelle. Allez, allez, on y va. Oh, arrête-toi. On a les trois livres, non? Non, on en a deux. Je crois qu'ici, il y a un... Non.
Je sais que parfois, des endroits, si on creuse au bon endroit, on peut tomber sur des objets assez cool. Alors ici, par contre, il faut quoi? Il faut creuser! C'est génial! Encore deux coffres. Ah, il faut que je fasse gaffe. Clairement. Bon. Allez, on va pas se plaindre. Hein. Lui, il va m'embêter. Bah écoutez, solution. Hein. Moi, j'appelle ça la solution. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Donc. Donc, on sait qu'il y a des rubis ici, si on trouve un truc à acheter. Du coup, je me rappelle pas, on était allé chez la sorcière? Quand on a la volonté, ouais. Bah donne-moi, donne-moi. Hein. Allez. Ah, les bombes comme ça m'intéresse pas. Bon, en vrai, hein, on s'en fiche. Elle est trop belle, la run. Elle est trop belle. Là, normalement, on va rouler sur le jeu. Il nous manque quoi? En vrai, il nous manque... J'ai fait la cloche. Oui, on avait un livre, je crois. En vrai, ouais. Pas... Autant que je garde l'épée... Non, l'arc de lumière. Les boss... Je vais essayer, tiens. L'arc de lumière sur les boss. Où c'est que je peux aller maintenant? On va aller là-bas. On va... Ah, attendez, il y a un truc là, non? Non, c'est là. Oh, on l'a déjà fait, non? Ah mais non, j'avais pas la palme à ce moment-là. Est-ce qu'on a fait ça? Je m'en rappelle plus. Non. Ah, les rubis, par contre, stop. Hein. Alors... du coup, bah non, je peux faire ça. Bon, on va le faire tout de suite, hein, on sera débarrassé. Allez, hop. Et... c'est le bruit de la pluie qui tombe. Ça, c'est une musique de A Link to the Past. Ah, bah, j'ai pas le... Non, je peux pas y aller. Bah oui, j'ai pas le pot. Faut que j'éteigne la cheminée avec de l'eau. Bon. Hop, hop. Donc, mon Google, on regarde ce qu'il y a. Et puis, le let's play s'arrêtera là, pour aujourd'hui. Mais alors, celle-là, franchement, on a eu beaucoup de chance. Du coup, on peut aller là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un coffre. Un rubis, bon allez, un coffre d'un rubis, voilà quoi. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Allez, hop, hop, hop. 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 Je les récupère, hein, parce que de toute façon j'ai pas de peau. Enfin j'ai pas de peau dans le sens... pas de bouteille. Parce que sinon s'il a du pot on en a un. Hein. Autant faire ça en vrai. Pourquoi se casser alors qu'on peut faire ça? Alors du coup ici oui c'est pour ouais non je veux pas l'affronter. Hop. Allez, quart de cœur, très bien. Hop. Un autre petit coffre. Les bombes. On a les bombes les amis, mais c'est cette ROM, elle est à coup sûr, on l'a fini. Il peut pas y avoir... Après, on dit ça, mais... Si on a l'ocarina, je pourrais glitcher et aller à la fin du jeu, normalement. Donc, on va bien voir. Donc là, en tout cas, on est très... Bon, on a tout, on a tout. Ah ouais, mais... Pourquoi j'ai zéro bombe? Ah, mais parce qu'il faut d'abord avoir les bombes. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ah, à moins que non. Il faut peut-être juste récupérer les bombes. On va voir si... Est-ce qu'il y en a là? Non, non, non.
Non, il fait grand. Non, non, non. Je crois sinon on va aller au shop. Hein. Est-ce qu'il en vend au shop? Est-ce que tu m'en vends, toi? Bon, je disais qu'on allait finir, mais bon. Là, c'est vrai que je suis tellement lancé dedans. Donc, tellement de chance que... Dis-moi qu'il a des... Alors, est-ce que ça m'est rempli ou pas? Je pense pas. On va voir, mais... Non. Il faut les bombes normales avant d'avoir les bombes automatiques. Bah écoutez, alors là, je viens de découvrir quelque chose. Mais c'est vrai que normalement, dans le jeu, c'est pas du tout prévu comme ça. L'ocarina. Si on l'a... On pourra y aller au dernier donjon. Enfin, l'avant-dernier. Bon, ici, on peut pas y aller. Hein. Il faut pas rêver. Ici, il y a des trucs à faire. Ah non, j'ai déjà tout pris. Ah bah oui, je m'en rappelle, oui, je suis bête. Ah oui, mais oui. C'est par là, alors. Donc ici, il y a un coffre. Qu'on avait déjà fait. Ah, donc ici, on a déjà tout fait, oui. Bah écoutez, on va jusqu'au village, et puis on n'arrête pas. Le village des Miniches. Ah, mais j'ai pas les bombes. Pourquoi je passe par là? Je suis un débile. Vous avez le droit de le dire dans le commentaire. Je suis un gros débile. Bon. Allez, Link. Attendez. J'ai des palmes. Donc... Un coffre. Grande tornade, écoutez. Rien à dire, hein, on le prend, hein, c'est cadeau. Hein. Hop, 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 hop. Alors je pense que sur cette partie, vous verrez vraiment pas beaucoup de... Ah, c'est vrai qu'il y a un endroit ici. Vous verrez pas beaucoup de rage kit. Puisque là, c'est super bien lancé, quoi. Un petit coffre. Un cœur de cœur, hein. On a l'habitude. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment encore beaucoup de coffres à ouvrir. Avec... Et ça, en vrai, le fait d'avoir les griffes, ça casse littéralement le jeu. Hein. Là, c'est vrai que du coup, on peut aller partout. Oh, ils me font chier. Allez, là. C'est des fuzzles, ça, en vrai, de Minish Cap. Non, de Wind Waker, qu'est-ce que je raconte, moi. Wind Waker. Bah, même s'il ressemble pas vraiment. Là-dedans. 5 rubis, bon, allez. Hein. On va pas chipoter. Bon, bah, eh, on est déjà bien, là, hein, pour ça. Hein. Bon, bah, eh, on passe par là, hein. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est les bombes, un bouclier, ça serait pas mal aussi, l'ocarina, et on est bien. Et les chaussures de course. Ça, ce serait... mais attendez, non, j'ai pas de champignons. Donc, non, c'est pas par là, c'est pas par là. Ah, on aura quand même très très bien avancé. Allez, c'est par là. Le bâton sauteur, je l'ai utilisé pour ici, je crois. Ouais. Oui, on était arrivé à la cascade de sœurs. Donc c'est là-bas qu'on n'est toujours pas allé. Allez, là, on speed. Hein. Alors, ici. Hop. Il y a quelque chose là, je crois. Hein. Qu'est-ce que c'est ici, déjà? Oh, une fontaine. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je suis très embêté, j'ai besoin de beaucoup de rubis. Oui, bah oui, hein. En vrai, on va pas me les prendre, mais oui, tiens, prends. Mais je m'en fous de ton... Elle me donne vraiment 50 rubis, cette fée? Bah quoi tu sers?
C'est la grande fée la plus inutile de Minishcap, je crois. Ça veut dire que ce que donne les fées, c'est random. Très bonne chose à savoir. Bon, ici, y a quelque chose ou pas? Attendez, j'essaye ça. Non, ça marche pas. Y a rien qui marche dessus. Là-haut. On fait ça. Allez hop. On fait. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai pas mon bouclier, sinon il m'aurait fait. Quart de cœur. 20 rubis. Bon, on va pas avoir toujours de la chance. Hein. En tout cas, très très bon. Faudra pas qu'on oublie d'aller dans celui qui est là-bas. Ensuite. Donc, tiens. C'est quelle bombe ça? Non. J'aurais pu avoir des bombes automatiques dans le coffre. Je vais directement au truc ou je passe par le village? Bon, on a déjà 7 cœurs. Non, toujours pas. Ah, il faut vraiment récupérer les bombes. Allez. On va dans le trou. On va chercher le coffre, on va au village, et puis on sauvegardera au temple, au premier temple. Bon. Ah, il faut pas arriver bien, on va pas avoir que des bons trucs. Là en vrai, il nous manque plus beaucoup d'objets. Hein. Alors désolé par contre, s'il y a un fond de pluie, c'est qu'il pleut vraiment chez moi. Hop, hop. Alors, hop, pourquoi cette musique ici, quoi? La pire musique. Un quart de cœur. On va être full cœur à la fin du premier boss, quoi. Mais le premier boss, là, le blob, vu que j'ai pas la même épée et qui a fait plus de dégâts, normalement, on peut le finir en 2 tours. Au lieu de 3. Ce qui est très très bien. Donc de mon souvenir là-bas il n'y avait rien. On va aller là-bas parce que normalement celui qui nous donne les bombes en vrai il va nous donner quelque chose. Ah bah oui mais c'est pas ouvert là. Ouais ça c'est un coup de chance. Un coup c'est ouvert et un coup c'est fermé. Donc c'est le random. Ouais c'est pas grave. Hein. Et du coup, à mon avis, est-ce que les éléments, ils sont à leur place ou pas? Ça, c'est la question. Alors, on va juste regarder avant si on a la clé, parce que si on n'a pas la petite clé, c'est mort. Si on n'a pas la petite clé, on devra aller ailleurs. Et... Bah déjà, c'est pas... Non, normalement, là, on a la petite clé. La dernière fois, je l'avais pas eu. Donc, écoutez, on a la clé, on sait qu'on l'a ouvert. On va se quitter ici. Alors, ce random, on va dire, petit débrief. On a l'arc de lumière, 50 flèches. On espère avoir les bombes pour pouvoir utiliser les bombes automatiques. On a l'épée de Minish évoluée en x2. Donc niveau dégâts ça va être très très bon. On a les griffes de taupe qui va nous permettre d'aller un peu partout. Le bâton sauteur pareil que les griffes. Et on a surtout la cape qui est mon élément préféré du jeu. Dans le reste on a quoi? On a déjà 4 parchemins. On a les palmes, on a la noix blabla. 2 bouquins, il nous en manque plus qu'un. Et on aura fini. Donc en vrai très très bonne run. Sauvegarder. Ben écoutez tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne un bon début de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, ou une bonne nuit. Hein. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo sur le monde divin. C'était Yvain et je vous souhaite je vous l'ai déjà dit, hein. En vrai, je sais pas ce que je vous souhaite moi. Allez. Ciao, à la prochaine vidéo. Bisous.